4 destins, 4 champions, 24 heures pour les suivre, 24 heures pour les découvrir. Mathias, Tony, Florent et Adrien, des profils différents mais une ambition commune, marquée histoire de sport. Le temps de déjeuner, après mes affaires sont déjà préparées de la veille. L'aventure commence avec Adrien Ballet. Le soleil se lève à peine à Créteil quand notre jeune étudiant handballeur prend le chemin de l'entraînement. Seul, dans sa bulle, concentré, encore loin d'être un expert, il nourrit un rêve, se faire une place dans le handball français. À des centaines de kilomètres de Créteil, le décor est différent, mais l'ambiance reste la même. À Berne, Florent Amodio, espoir du patinage français, prend ses marques. Des gestes simples, des repères, comme une sorte de rituel. Alors, le plus important, les patins. Et c'est parti à l'entraînement. Pour la première fois de l'histoire, Florent peut devenir le premier patineur français sacré champion d'Europe dès sa première participation. Figure de proue de l'équipe de France, révélation de l'année passée, il est l'héritier des Calma, Candeloro et autres magiciens de la glace. Sans pression, il aborde sereinement son premier rendez-vous majeur. Solitaire et concentré, il prend la direction de la patinoire pour peaufiner les détails de son programme libre. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Une autre histoire, un autre destin. Le patinage passe le relais au tennis et c'est Mathias Bourg qui prend la tête. À peine 17 ans et déjà une vie bien rythmée. Réveil à 7h, cafétéria à 7h30 et le petit déjeuner est rapidement expédié. Un simple jus de raisin accompagné d'une banane, quelques sourires par-ci, quelques regards par-là. Les bancs de l'école l'appellent déjà, parce que Mathias Bourg reste un jeune comme les autres. Actuellement au premier ES, il prépare assidûment son bac de français, une compétition un peu à part mais où la préparation compte tout autant. Elsa, oui c'est madame, c'est du coup. Alors tout à l'heure, vous avez dit deux secondes, oui. Contrairement à Mathias, d'autres ont préféré quitter le chemin des cours. Et c'est le cas de Tony Yoka. Dans le milieu de la boxe, il s'est déjà fait un nom et s'attelle à soigner son image. Il consacre ses matinées à sa communication en répondant à ses nombreuses sollicitations. Je sais qu'on entend quand même beaucoup de monde, tu vois. Après, faut pas que je mette la pression, dire ouais, tout le monde compte sur moi. Ou, tu vois. Moi, je fais mon truc, à moi. Du moins que ça me plaît. Après, si ça plaît aux autres, c'est bien, tu vois. Faut pas que je me prends la tête maintenant, on verra par la suite si je fais un bon truc au jeu, et après on improvisera. Est-ce que Mathias arrive à soutenir ce rythme intense que nous voulons intense? Parce que c'est comme ça qu'on réussit. Voilà. Parce que si on rendait les choses un peu plus light, pour eux, ça aurait moins d'importance et ils laisseraient tomber. J'ai une dernière note, là, je crois, d'espagnol, là, qui n'est pas magnifique, il me semble. D'ailleurs, il a un interro d'espagnol. Ah si, c'est très bien, il a eu 13. Non, je dis des bêtises. Là, il vient d'avoir 13 en espagnol, quand d'autres dans la classe ont eu 3. Et la meilleure note étant 14,5, donc non, 17,5, il y a une excellente élève ici. Ta vie d'étudiante, on a vu ton professeur de la scolarité, ton responsable, Pierre Thomas, qui nous a dit que t'étais un bon étudiant. On sera pas avec Grégoire. Non, il a pas dit ça. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai les femmes, j'ai l'argent, j'ai la beauté, j'ai tout. Mathias, on dort... Il rigole beaucoup, il est blagueur,
Voilà, après l'entraînement, il est très sérieux. Pas beaucoup de choses à lui reprocher au niveau de l'investissement et tout. Donc voilà, il sait faire la part des choses. Parce que moi je pense au titre, je pense au jeu du tennis, quoi, je pense pas à l'argent. Et puis si je sais que si je joue bien et que je pense au titre, et ben l'argent il viendra tout seul. Ouais, il y a pas mal de filles, il y en a quelques jolies. Et voilà quoi, moi je suis concentré sur mon projet. Bon, je suis parti, j'avais 14 ans. Et voilà, maintenant je suis plus vieux et puis voilà, on a pris l'habitude de se voir que le week-end ou pendant les vacances, donc maintenant on a pris le rythme et voilà, je m'encourage à fond dans ce que je fais. Sa famille de tous les jours, Mathias apprend à vivre avec. Ils s'appellent Enzo, Grégoire et Julien. Il ne les connaît que depuis quelques mois, mais ces garçons-là font désormais partie de sa vie. Compagnons de jeu, confidents, leur nom de famille INSEP, patronyme du tennis français. Échauffement, vitesse maximale, Mathias pédale toujours et encore. Mais ne vous y trompez pas, Mathias ne prépare pas le Tour de France. Sa grande boucle à lui, c'est cet échange continu de balles jaunes qui rythme son quotidien. Aujourd'hui, Mathias est considéré comme le maillot jaune du tennis français dans sa catégorie. Écarté du circuit à cause d'une blessure à la hanche, il revient plus fort que jamais. Bah là, j'ai repris le service aujourd'hui et franchement, je trouve que j'ai pas trop perdu au niveau de la gestuelle et du timing. Donc je suis assez content là et puis j'ai refait mes premiers points et je suis bien physiquement et je sens bien la balle, quoi. Donc je suis content et j'espère que je vais reprendre les tournois assez vite et bien jouer, quoi. Attentif, sérieux, il est toujours à l'écoute des précieux conseils de son mentor. Déjà un gros travailleur. Il aime bien le combat, il a un gros physique, il a d'énormes qualités physiques. Il adore le jeu, donc c'est un gros matcheur, il a beaucoup de morale, beaucoup de mental. Et puis il est très solide de tous les côtés, hein. Donc c'est un joueur très très complet. Mathias est probablement le joueur le plus complet ici. D'où son avance entre guillemets en termes de classement. Il sort vraiment d'une année, il sort d'une saison quasiment exceptionnelle. Hein. Franchement, là, il a fait une grande saison qui vient de s'achever. Il court partout, quoi. C'est un peu le Rafael Nadal, ou pour lui, il dirait plutôt Guga. Et il a pas trop de points faibles, il est bon, il est complet et il va bien chercher, il va chercher tous les points et il s'arrache et il donne rien. Mathias s'éloigne et c'est le retour d'Adrien. La balle prend de l'épaisseur, le pas s'accélère, l'entraînement suit son cours. Entre pas chassé et jeu de jambes, il récite ses gammes avec ses coéquipiers du Créteil Handball. Sur le terrain, Adrien est considéré comme étant un excellent ailier. À Créteil, la balle à l'aile, la vie est belle. Le barjo local, ancien champion du monde, Birik Kervadec, surnommé Le Menhir, nous façonne les contours de son dernier joyau. Adrien Ballet, c'est un joueur donc, qui fait partie, qui vient intégrer notre centre de formation, qui était au pôle l'année dernière. Donc depuis, c'est la première année, il est en convention avec nous de 2 ans. C'est un joueur qui fait partie, donc, bien sûr, de l'équipe de France junior. C'est un élément important pour nous. D'une part parce qu'il a des qualités qui sont à son âge celles qu'elles sont, qui nous permettent d'espérer qu'il devienne un très bon joueur de première division. Sorti de l'antre, il est midi. Après avoir bien transpiré, pris une douche chaude bien méritée, il rentre chez lui pour ce qui va être la deuxième partie de sa journée. Colocation entre potes de l'université. Depuis un an maintenant, ils partagent un appartement du centre de Créteil. Résultat des courses, lorsqu'il est question de se chambrer, ils ne se font pas prier.
C'est un mannequin en fait. Ouais, c'est le mannequin de l'équipe. C'est le mannequin, c'est. Tout le temps à se prendre en photo, se regarder dans la glace. Ah. Voilà, c'est ça. Tout le temps en photo. Ça balance le dossier là. Ouais, ouais. C'est le mannequin de l'équipe. C'est un peu l'américain quoi. Mais voilà. Ouais, c'est ça. C'est Chris Bourne français. Bah, tu réfléchis un peu à ton match, tu ressens une certaine pression ou vraiment c'est cool? Ouais, non, c'est cool, c'est l'université, c'est. Histoire de. C'est détente? Ouais. Ça fait plaisir de s'amuser un peu. Bah, c'est sérieux quand même, mais c'est pas. On n'est pas dans la contrainte du championnat, des points. Ouais. Donc là, ça va un petit peu. Ou par rapport aux rencontres internationales, c'est vraiment différent, là, c'est vraiment. On y va sans pression, quoi. On avait laissé Florent Amodio dans sa chambre, on le retrouve sur la glace, en répétant un air travaillé avec le frère de Michael Jackson. Des heures de travail, de la sueur, des pas qui s'enchaînent, toute une chorégraphie pour le programme libre du championnat d'Europe. Pointe de pied, lui le balancer, la jambe, à nouveau. J'ai du patinage depuis 16 ans, j'ai commencé à l'âge de 4 ans. J'y suis arrivé par hasard, mes parents allaient en sciences publiques un après-midi et voilà, ils étaient là comme un couple en sciences publiques un dimanche. Et puis moi, voilà, ils ont vu que j'avais déjà traversé toute la piste et puis de là, moi ça me plaisait, j'étais heureux à faire ça, enfin, c'est ce que mes parents m'ont raconté. Puis on est retourné et c'est vrai que là mon ancien coach Bernard Glesser m'a repéré. Point faible aujourd'hui, pour l'instant il n'y en a pas. Il faut faire des sans faute. Il faut être fort par rapport au fait qu'il est tout à fait capable de faire des programmes sans faute. Je dirais que c'est quelqu'un de très intelligent qui se connaît très bien. Donc il est tout à fait capable de vous donner ses points forts, ses points faibles sans que quelqu'un lui souffle. Il a une intelligence sportive, c'est-à-dire qu'il connaît son corps. Et il a une intelligence pragmatique. Dans 2 ans, j'aurai 22 ans, espérant champion du monde. Une nouvelle porte se referme. Florent marche désormais seul vers l'échéance qui se profile. L'échéance de Mathias, quant à lui, pour le moment, c'est le kiné, passage obligé pour soigner un corps tant sollicité. Le kiné ne chôme pas. Après Mathias, nouveau client, c'est Tony, le grand gaillard, qui prend place sur le billard. Un petit problème d'épaule, pour un boxeur, c'est toujours embêtant, mais c'est soigné en 2 temps, 3 mouvements. La porte aussi est en mouvement sous la force de Tony Yoka. Une arrivée musclée, convaincue. Il prend place dans le vestiaire, enfile rapidement ses chaussures et direction le ring. Pas encore le combat, mais les préparatifs. Dans sa tête, il ressasse encore cette douloureuse défaite contre l'Italien Clemente Russo. La solitude, la concentration, ces sentiments font partie de la vie d'un boxeur. Champion, si m'écoute mes conseils, vous arrivez à champion du monde ou champion olympique. Vous travaillez encore? Oui, 18. Est-ce que c'est dur quand ils sont jeunes comme ça, de tous les jours les... Oui, de passer de junior à senior
est plus dur. C'est que tenir dans la tête. La tête. Tout, voilà. Et la conscience de lui. Spécificité aujourd'hui, on ne s'arrête pas. C'est-à-dire que les trois fois, une minute, on ne s'arrête pas sur la minute. Let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary on the ball tonight. And you don't give a fuck what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. Des minutes qui se répètent dans la douleur, sous l'œil attentif d'un glorieux élève. Ben, Tony Yoka, c'est avant tout un talentueux boxeur, intelligent, gentil, plein de grandes qualités. Sportivement, ben, il a toutes les qualités pour être le futur grand sportif français, voire mondial, dans les années à venir. Voilà, c'est quelqu'un qui travaille, qui a des qualités pour. On n'a jamais eu, et ou rarement, même jamais, un poids lourd de cette trempe en France. Donc voilà, quoi, ça promet, c'est un garçon à suivre. En tout cas, nous, Paris United, et moi-même, je suis ravi de l'avoir dans l'effectif. Après une séance de shadow et quelques exercices musculaires, il ressent les effets bénéfiques du kiné. Ouais, il m'a craqué le dos après. Tout à partie. Après, il m'a fait un bon truc sur le poil. Il m'a strappé. Quand je suis chaud, c'est pas ça. Et puis c'est l'heure de l'épreuve de force tant attendue. Des grimaces marquant la fin d'une séance éprouvante et laissant place au sourire du vestiaire de hand. Après l'entraînement avec les pros, place au plaisir des rencontres universitaires avec ses copains de la fac. L'occasion de se détendre tout en prenant plaisir dans un sport qu'il aime tant. Victoire aisée contre l'équipe universitaire de Nantes. 4 buts pour un Adrien ménagé par l'entraîneur et c'est une qualification directe pour les quarts de finale. De répit après la balade universitaire vient le temps du décrassage tout en musculation. Des poids soulevés encore et toujours pour entretenir la forme. Allez, c'est toi. Allez. Même sentence pour Mathias qui va au bout de lui-même lors de sa série en développé couché. Après ses efforts, séance personnalisée tout en détente avec son préparateur physique.
Bah, je suis un peu fatigué musculairement, mais ça va quoi, j'ai tenu la séance, donc j'ai surtout mal au pec et derrière là, les triceps, tout ça. Quatre chiffres rouges sur une horloge lumineuse, et c'est une journée qui s'achève pour nos quatre sportifs. Le temps d'aller faire quelques courses pour Adrien, jus de fruits, vitamines, produits laitiers, c'est aussi ça la vie d'un sportif, une alimentation saine et toujours contrôlée. Le repos du guerrier est bien mérité. Ouais, journée difficile, on est content de rentrer chez soi. Donc... Ouais, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Alors... Tu vas bien dormir, ça Ah, je vais bien dormir. Vous m'avez suivi, vous avez vu, donc c'était une journée assez mouvementée, mais bon, là je vais bien dormir, c'est sûr. Au revoir. Salut. Au revoir. Rendez-vous à Roland-Garros. Il est venu le temps de se dire adieu. Les sportifs nous quittent, un par un, mais l'appel du lit est plus fort que celui des boîtes de nuit. Des jeunes ordinaires n'ont en réalité que l'âge, leur vie de champion, leur empêchant toute évasion. Ça se termine tard quand même. Non, c'est une grosse journée, mais bon. J'en reviens, on boxe la semaine prochaine, j'espère que ça va aller. En tout cas, merci d'être passé. Merci à toi. On est pas en 2012, non ? On est là. Vas-y. Ciao. De me mettre la pression ou quoi, mais voilà, premier après le programme court, on joue la médaille d'or, le programme long est décisif, et là non plus j'ai pas le droit à l'erreur. Certes j'étais un peu stressé, mais bon, mes coachs ont été très bien avec moi, ils ont su me parler, j'étais serein dans ma tête, et puis je suis parti, et puis ça a été le show, et puis le public était merveilleux, et puis c'était génial. Heureux, j'avais fait une superbe compète, mais pas sans deuxième de mon groupe, il restait 4 mecs derrière et c'était les 4 en gros les plus importants. Voilà, il peut se passer n'importe quoi, ils peuvent te passer devant, donc l'attente a été très longue. Et puis à la fin du dernier, ben, ça a été juste du bonheur. Bon bah à bientôt, et on se voit au championnat du monde. Ciao. Vous êtes professeur d'espagnol, justement la langue, vous considérez que c'est important pour eux, donc comment vous les motivez, vos élèves ? Alors je suis professeur de mathématiques, mais donc ma collègue... Comment vous motivez vos élèves ? Ça bouge et du coup, et puis c'est super fou. Et en plus j'ai le micro. Ça fait un tour ça.